Alors, une petite démo, donc mon boîtier de porte de garage à base d'Arduino, donc qui est dans un petit boîtier là. On a la page web, donc qui est hébergée par l'Arduino, avec l'état actuel de la porte, avec un petit bouton, quand on appuie dessus, hop, ça active le relais. On reçoit une notification Twitter pour dire que la porte s'ouvre. Là, donc je peux appuyer sur le bouton pour l'arrêter. Là, je l'ai arrêté en cours d'ouverture, du coup. Comme il est arrêté en cours d'ouverture, bah, c'est le voyant du milieu qui clignote pour dire qu'elle est ni ouverte ni fermée. Donc, il y a aussi un bouton ici, tout simplement, pour activer donc, le relais manuellement. Donc là, ça referme la porte. Voilà. Et si je l'ouvre, donc, pour montrer les petits capteurs, j'ai donc un capteur ici, qui est un capteur à effet Hall. Et donc qui donne et donc il y a un aimant qui arrive en face et qui détecte l'arrivée de la porte en bas. Après j'ai la même chose en haut ici là encore avec un petit capteur à effet Hall. Et après ici bah, je viens piloter un relais qui est situé dans le boîtier du moteur. Voilà donc ça fonctionne pas mal. J'ai une notification à chaque changement d'état et donc je peux le piloter depuis la petite page web. Voilà.